Coucou! Et moi? On se retrouve pour un petit nouvel épisode, hein. Un petit. Moins grand, ça dépend. On va vérifier quand même une certaine vision du temps qu'on va prendre. Mais en tout cas, on se retrouve dans le même écran, hein. Alors, c'est quoi? C'est l'épisode 5? Ouais, c'est 5. C'est toujours le même écran d'ailleurs. Non, je crois. Ça lag un peu. Je suis sur autoroute. Ah oui, on était à Little Odessa. Bon, du coup, je clique et je pointe. Et encore une fois, ça charge. D'abord ça lag, ensuite ça charge. Ah ah! Ça sarve. Bien sûr. D'abord ça lag et ensuite ça charge. Je remarque en fait en dérochant tout ça, je remarque que j'ai pas mal le tic de faire des... C'est un tic nerveux, j'ai envie de dire. Alors, du coup, oui. Alors, on m'a dit que je m'attends en bas. Oui, j'arrive. Ce lance-roquet dirigeable est parfait pour descendre les hélicos. Ah, bonjour, un moment. Un moment. Où en étais-je ? Ah oui. Utilisez le guide laser pour orienter les roquettes au-delà des défenses de l'hélico et l'empêcher de les détruire. Ça va l'énerver au début, mais si vous survivez assez longtemps pour le toucher plusieurs fois, ça vous fera un beau trophée de guerre à mettre sur la cheminée. Alors, qui est le petit vénard qui va le porter au combat ? Alors, je veux bien, mais genre trophée de guerre ? Ah oui, Gordon Freeman. Je n'aurais pas trouvé meilleur volontaire. Colonel Odessa Cubbage à votre service. Eh bien, d'accord. Non, par contre, sérieusement, Hélico. Oui, Hélico. Mais... Harry Poppet, je préviens tout de suite le poste phare, puis je reviens vous aider. D'accord. Mais, Donnez-lui une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Très bien, mais, Utilisez le guide laser pour tirer au-delà des défenses de l'hélico. Putain, mais je l'entends d'ici, quoi. Waaaaah! Merde! Aïe 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 aïe! Secours, secours, secours! Mais merde! Enfoiré! Mais là là! Oh allez! Boum! Allez boum! Taras. Bébé à moi. Du coup, je fais quoi exactement? Bonne chance à Nova Prospect, Dr. Freeman. Bonne chance à toi. Allez-y, Dr. Freeman. L'avenir des Livans dépend de vous. Alors, je vais revoir les petits cubages. T'as réussi à contacter les potes, hein? Ben, et voilà. Je vois que vous nous avez débarrassé de cet hélico, Dr. Freeman. Mais t'as rien vu, t'étais là. La réputation est justifiée. Je vais ouvrir la porte sur le champ pour vous laisser passer. Je sais que le Dr. Vance a besoin de nous. Bien de nous. Faites très attention en approchant du pont. Le silence radio de cet avant-poste me laisse croire qu'il est passé sous contrôle du cartel. Mais vous êtes l'homme qu'il nous faut. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien vous. Oui, évidemment. Et dites au Dr. Vance que le colonel Cubbage regrette de ne pas être venu le sauver en personne. Évidemment. L'homme qui... doit maintenant se hâter. L'élimance est en terrible détresse. Oui, mais c'est bon, j'ai compris. L'homme qu'il faut là où il ne faut pas peut faire toute la différence. Putain, mais quoi, soyez prudent. Mais je veux bien, mais ouvrez-moi. Enfin, ouh. Moi. Allez, broum! Allez, grosse bagnole bouffe. Papa la pa la pa.
C'est quoi d'ailleurs que j'ai à l'avant là? C'est le moteur, c'est une bonbonne de colle. Pof! Je te détruis! Ah oui! Oh le connard! Je vise comme un pied, par contre lui. Ouh! Voilà! Je vais remonter dans la bagnole histoire de me déplacer plus proche du machin. Aïe! Ah, par contre, niveau vie, je suis pas bon. Je les entends passer au-dessous. C'est terrible. Hop là. Ah, juste. J'ai jamais de mal, hein. Ah. Corde. Papa, papa. Hop et. Le tout, c'est une affaire de précision. Voilà. Servir pour les E, du coup c'est aussi une belle voilà. Voilà. Violation au chat. Ah. Bah j'ai eu un succès. Très bien. Comment ça?
C'était... Il fallait appuyer sur E. Pour l'instant, tout se passe bien. Ah, j'ai entendu des... Vas-y, rentre. Mais... Il rentre. Voilà. Ça, si je conduisais comme ça en vrai... M'en fous. Bye bye. Goodbye, comme dirait... certaines glaces. Merde. M'en fous, je l'ai eu. Alors, le saut va être chaud. Il me semble que le saut était chaud. Le saut était chaud. Chaud. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Alors... Hop. Le ménage. Il y a le bidon d'essence qui a pété dans l'eau. Hop. Allez. Y'a quoi? Ah oui, c'est le truc de lambada là. Eh, ça marche pas. Ah, vamos a la playa, a mi me gusta baila, le ritmo de la noche. Ah oui, non, mais on est vraiment une voiture beauf, hein. On est à 13 minutes d'enregistrement. C'est pas mal, ça. 13 minutes. Moi, j'ai mis un coup dans un coup de dans mon micro, si vous voulez. Il y en a un par là. Aïe! Saloperie. Je vais mourir. Petite saloperie, comme on dit dans le milieu. Le grattage de cheveux, ça va faire du bruit. C'est génial. Zoom, comme le célèbre logiciel de visioconférence en ligne, Zoom. Midi les zoom. Hop là. Je le savais.
C'était un piège. C'était un piège. Un indice nous aura vendu. Vite, il faut que je les prépare. Ça fait peur, hein. Aïe 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 aïe. Putain, mais je vise comme un pied. Voilà. Allez là, mets-toi dans la bagnole. Un petit Gordon. Gordon Froment. Gordon Librome. ZB. Gordon. C'est devenu un poisson. C'est Gordon, voilà. Oh, c'est cool, ça, comment on pourrait dire que traduire Gordon en français. Grégoire. Voilà, c'est Grégoire. Et Grégoire homme libre. C'est Grégoire. Pas une arbalète dans le coin? Tout ça. Merde. Ah si. Oups. J'ai loupé, c'est grave. Voilà. Mais comment on dégage ce truc là? Il me saoule en fait. Voilà, parti. Après j'ai déjà eu l'achievement pour avoir mettre collé le mec au panneau, donc Aïe. Alors. Cible.
Attendez. Wouhou. Oups. Du coup, il est toujours accroché ou... Il est tombé. Arrêtez de me poser trop de questions sur ce jeu quand même. C'est... peu nécessaire. Au final, je sers d'autoradio. Je suis ma propre autoradio. Bah, non, du coup, oui, c'est une vraie autoradio. C'est l'autoradio, mais je auto. Ah! C'est vraiment l'auto-radio, mais genre auto... Vous avez saisi l'idée. Dégage de là, Heider. Ah oui, là ça va être chaud. Comme un jour dit un grand homme, ça va être hardcore. Aou! Aïe. Bah tiré dessus mais je sais pas où. Aucune. Il y a toujours un moyen d'aller plus haut. Ah! Ah! Oh putain de sa mère! Oh! Oh putain, je m'y attendais pas! Alors, du coup, ce qu'il va falloir faire... Injection de morphine. Putain, mais c'est vraiment des saloperies ces trucs-là. Hein. Et du coup, on va passer en dessous du rail. Hop, hop, hop. Ah, ça charge. Vingt-quatre minutes. Moi, je me demande si je vais pas raccourcir le temps des épisodes parce que... En fait, le problème, c'est pas que ça fasse 40 minutes en soi, ça, je m'en fous, ça pourrait durer une heure. Voilà, mais le souci, c'est qu'après, mon logiciel de montage, enfin, il y a Vegas qui prend des plombs en bas à charger le machin. Et ça prend encore plus de plombs pour uploader la vidéo.
Donc je vais peut-être penser à raccourcir. Ah oh, oh. Voilà. Et... Ah, très pris. Pensez donc du coup à raccourcir, ça peut être un positif pour vous. M'en fous, y'a non. Ah, je vais. Je pensais que ça vous dérange, vous êtes genre quoi 4 à regarder. Mais moi ça me fait chier en fait. Franchement, si l'upload et le si l'upload et le enfin, si le rendu en MP4 et l'upload prenait pas 4 plombes, franchement ça ne dérangerait pas le moindre du monde. J'arrive pas à bouger, je suis coincé dans un pot. J'en profite, hein. Ah non! Putain. Ah bah en plus, je réparais là. Oh bon. Du coup, voilà. Voilà, c'est vraiment le TED Talk. Le talk. Où j'arrête de parler quand j'ai pas envie de le faire. Parce que sinon ça donne n'importe quoi. Bref. Non. Voilà, c'est le serious talk, voilà. Le sérieux parler. Le parler sérieux. Ça tremble. Voilà. Donc je disais oui. Mais ouais. Oh mais. Chier. Pas d'ordure quand même. J'ai envie de me retaper tout le chemin, tout ça. J'ai eu très peur. Alors ça va faire un rechargement d'ailleurs, non? Bref. Poum, 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 poum. Bref. Alors, c'est par là, je crois. Si je me souviens bien. Ah! Mais ils sont 15 milliards, c'est pas possible.
J'entends l'hélico. Voilà. Bref. C'est reparti dans l'autre sens. Ah putain, dans l'autre sens en plus. Sinon ça va me faire chier. Après, même si les textures sont un peu dégueulasses, c'est quand même bien, bien foutu, hein. Franchement, source. Même si les textures ont un peu vieilli, clairement, c'est pas dégueu du tout. Aïe. Merci. Ouais. Oh, je suis un génie. Je pense que je vais bientôt m'arrêter, hein. Un peu de temps, et je vais m'arrêter. Quand je tourne, ça fait encore 33 minutes. Et j'ai envie de voir qui gagne. Allez, c'est parti pour revenir dans la bagnole et monter. Pic. Et vas-y, monte. Ou alors il faut monter par là. Je sais plus vraiment, là je sais pas, je suis un peu... Au final, je redécouvre. Bon, au final, c'était par là, c'est pas... Alors... On dépêche. Bon, le train. Il tire dessus! Il tire dans les roues! Si. On va le détruire! Ouais. Par là. Oula là. Et je pense qu'on va... Attends, il faut un endroit calme. Voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on recorde. Donc, prochain épisode, hein, et... comme on dit chez nous, salut !